Bonjour, c'est Jeff. Donc aujourd'hui encore une de ces vidéos sur les guitares, une guitare Martin. Donc il s'agit aujourd'hui d'une Martin de la taille 5, donc le modèle 15. Donc c'est un 515. Un 515, en principe, c'est la like, série 15, c'est tout acajou, tout massif, la guitare entière massif. C'est différent que les Martin, hein, les LM. Donc ça c'est entière massif et en plus c'est soit tout acajou, soit tout sapelé. Sapelé c'est simplement un acajou africain. Okay? Ça va être soit l'un soit l'autre entièrement. Donc ça ne sera pas mélangé d'après tout ce que je me suis renseigné là-dessus. On a au niveau de taille, si je peux comparer, donc j'ai un triple 015M ici, que j'ai amené juste exprès. Donc c'est le même série 15, mais je mets comme ça. Donc on peut voir plus ou moins la forme, etc. Je vais mettre comme ça pour qu'on puisse voir. Si je vais mettre comme ça va être un peu je sais pas ce que ça va faire. Donc ça donne un peu au niveau de longueur et taille comme ça. Okay, donc c'est vraiment le petit format. Niveau de parleur, plus parleur que le triple zéro. Hein. Triple zéro, ça c'est encore normalement un parleur, mais ça c'est encore un taille parleur par rapport à surtout une liste de Martin qui est petite raide en principe. La guitare vient avec des mécaniques bains d'huile fermées. C'est différent que le type 15. M qui a la bande d'huile, tout ce qui est ouverte, okay? Au niveau de la turbine. Deuxièmement, il vient avec le scié en corion blanc et un tusk de scié là. Et donc les chevilles sont plastiques. Donc ça, c'est typique pour la série 15 par rapport à 15M. Troisièmement, il y a les points de repère sont des points ronds, lorsque sur le 15M, c'est des petits diamants. Et ça va jusqu'au bout lorsque l'autre il arrête au 9e case. Donc ce sont les éléments les plus importants à remarquer entre les deux. Il n'y a pas de pickguard, il n'y a pas de protection sur la table. C'est normal à cause de la largeur, sinon ça va être un peu bizarre au niveau de forme. Ça risque de polir avec des mains qui, on voit déjà que c'est en train de faire, mais c'est normal avec tout ce qui est tout ce qui est les acajou satiné, tout ce qui est le mat, ça polit. Et même chose ici avec le manche. Hein. Il vient avec des questions, il y a toujours le petit accroche pour le sangle et il vient dans un sac, une petite enveloppe dans l'étui de guitare. L'étui, il vient avec un étui de guitare normal, un étui rigide, Martin, léger. Hein. Ça, c'est moins lourd que même comme un Taylor GS1000 qui vient dans une housse. Donc, c'est vraiment petit, léger, tout massif. Okay, donc c'est un grand avantage. On voit que le scié il fait toute la longueur, donc comme un V, comme le vintage, le série vintage, le type vintage. Donc ça c'est un petit avantage sur ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre hein? Ça c'est juste c'est sympa pour jouer, pour petite chose. Donc le chanteur français qui utilise cette guitare, vous avez remarqué, c'est Christophe Maé. Et donc, qu'on s'attache, hein, ça c'est la chanson qu'il fait. Compte. De la différence là, c'est que malheureusement, j'ai pas encore changé de cordes. J'ai acheté une guitare d'occasion il y a juste il y a 2 semaines, donc j'ai pas encore mis de l'huile ni sur le touche, pas encore. Il y a des petites choses et j'ai pas encore changé de cordes pour une raison spécifique que je mentionne pas ici. J'ai fait des tests en détail, je vais faire une autre vidéo avec des cordes neuves pour juste une vidéo de suite. Suivi pour écouter avec des cordes neuves. Mais sur moi, ça vous donne une idée tout de suite. Qu'est-ce que ça sonne quand on a une guitare, une petite guitare comme ça, une petite guitare de voyage, tout massif.
Donc voilà, bonne journée.